Je suis le docteur Mariko Seydou, épidémiologiste, médecin de santé publique et ophtalmologiste de santé publique, coordinateur de programme de l'OPC pour l'Afrique de l'Ouest. Ma carrière, je la dédie vraiment à l'OPC, qui depuis la fin de mes études, j'ai été recruté par l'OPC en tant que médecin de santé publique pour pouvoir gérer l'ensemble des programmes de l'OPC au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui fait qu'au cours de ma carrière, pendant plus de 18 ans, depuis 1993 et jusqu'à aujourd'hui que j'ai été recruté par l'OPC, je suis passé par plusieurs chemins, par des formations continues, en tant que gestionnaire de programme, mais également en tant que médecin de santé publique pour le management de l'ensemble des programmes de l'OPC au niveau de l'Afrique. En tant que coordinateur de programme de l'OPC pour l'Afrique de l'Ouest, ma pratique se résume globalement à la prévention de la cécité dans le cadre des soins oculaires complets au niveau de la sous-région, notamment en partant de la lutte contre l'onchocercose, en passant par la chirurgie de la cataracte et la chirurgie du trichiasis, le dépistage de la chirurgie du trichiasis. Par rapport à cela, l'activité principale que je mène est de faire en sorte de pouvoir coordonner toutes les activités de l'OPC au niveau des différents pays qui constituent les zones d'intervention de l'OPC au niveau de la sous-région. À travers les formations, à travers le dépistage et la chirurgie de la cataracte, à travers la mise en place d'équipements, la rénovation des centres et la mise en place d'unités mobiles de chirurgie oculaire au niveau de tous les pays dans lesquels nous avons l'IMCO.